Le Tour de France 2024 est la 111e édition du Tour de France cycliste et se déroule du 29 juin au 21 juillet 2024. Cette course cycliste masculine sur route est l'un des trois grands tours de la saison et fait partie du calendrier UCI World Tour 2024 en catégorie 2 (UWT). Après la cinquième étape de la Tour de France 2024, en ce mercredi 3 juillet 2024, le Britannique Mark Cavendish est entré dans l'histoire en établissant un nouveau record de victoires d'étape dans le Tour de France avec un 35e succès à Saint-Vulbas. Le sprinteur de l'équipe Astana, âgé de 39 ans, compte une victoire de plus que le grand Eddy Merckx, avec lequel il partageait le record jusque là. Il s'est imposé devant le belge Jasper Philipsen, Alpessin, et le norvégien Alexander Kristoff, Uno X, à l'issue d'un sprint où le marqué par une chute dans les derniers mètres. Le slovène Tadej Pogakar conserve le maillot jaune à l'issue de cette journée de transition sans intérêt pour le classement général. Après la victoire de Marc Cavendish sur le Tour de France, qui lui a permis d'être le seul détenteur du record de succès d'étape. Ce mercredi à Saint-Vulba, après cette 35e victoire sur la Grande Boucle, l'un des fils de Marc Cavendish semblait plus impressionné par sa rencontre avec Tadej Pogacar. Le jeune enfant accompagné par sa mère, est venu à la rencontre de Tadej Pogacar. Son père a gagné et il disait c'est Tadej, s'est exprimé sa mère en souriant. Dans la foulée, après avoir tapé dans la main du fils de Marc Cavendish, le Slovène Tadej Pogacar lui a filé ses lunettes jaunes, les posant sur la tête du garçon. Sachant que Tadej Pogacar a déjà félicité le Britannique même si les deux coureurs n'ont jamais couru dans la même équipe. Quand j'étais petit, je regardais Marc à la télé avec mes amis et mon frère et c'était le héros de tellement de gens, a confié Tadej Pogakar à propos de Cavendish. Il roulait avec une telle classe et on est devenu plutôt bons copains. Il est venu me voir dans la zone protocole et il m'a demandé de ne pas battre son record. Je lui laisse. À 25 ans, Tadej Pogakar a 12 étapes au compteur sur le Tour de France, là où Marc Cavendish en affiche 35 à 39 ans. Le glouton slovène a néanmoins un spectre bien plus large que le sprinter, se rapprochant plus des Merx, que Cavendish a définitivement dépassé ce mercredi. Pour bien comprendre le classement général du Tour de France, il est établi selon une formule très simple, son leader est celui qui passe le moins de temps en course entre les lignes de départ et d'arrivée de chaque étape. Sur la ligne d'arrivée de chaque étape en ligne, donc hors contre la montre, trois bonifications en temps sont attribuées, 10 secondes pour le vainqueur de l'étape, 6 secondes pour le deuxième, 4 secondes pour le troisième. Sur 4 étapes, les étapes 2, 4, 11 et 17, des points bonus, 8 secondes, 5 secondes, 2 secondes, sont attribués aux 3 premiers à des endroits clés de l'étape, comme lors de l'étape 11 au sommet du col du Pertus. Le leader du classement général est bien sur le porteur du maillot jaune sur l'étape du lendemain. En ce qui suit, on retrouvera les premières 28 classements en rang et en intégralité du classement général du Tour de France 2024, mis à jour dès la fin de l'étape du jour qui était celle du jeudi 4 juillet. Les informations proposées dans ce classement ont trait à l'identité de chaque coureur, prénom, nom, nationalité, son rang dans le classement, son équipe, et l'écart en temps qui le sépare du leader. Pour le leader, on a présenté son temps cumulé en course depuis le départ de la première étape. Voici le classement général du Tour de France 2024 mis à jour le 4 juillet 24 à 17h50 pour les 28 premiers. on this street motherfucker